DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2022, dernier match test avant la compétition pour la RDC. Ça sera aujourd'hui contre le Mali. Le coup d'envoi du match sera donné tout à l'heure à 14h juste, heure de Kinshasa. Un match qui, selon l'entraîneur principal de l'équipe, Otis Sangoma, va permettre au staff de créer encore un peu plus d'homogénéité dans le groupe. Après la première victoire en amical enregistrée le 7 janvier dernier contre la Libye sur le score de 3-1 grâce notamment à un doublé de Jean-Marc Makoussou Moundele. Ce dernier match va marquer la clôture du stage pour les Léopards qui vont ensuite s'y rendre le lendemain dans la ville algérienne d'Annaba où le groupe de la RDC, le groupe B, est basé. On écoute le team manager de l'équipe, José Ntumba, qui revient sur le programme. Il est prévu le 10 un deuxième match contre le Mali. Ensuite, très tôt matin, mercredi, nous nous envolons pour notre site qui est à Annaba afin d'attendre le premier match qui va se dérouler le 14 à 17 heures. J'aimerais encore une fois lancer un message à tout le peuple congolais. Je pense que ce peuple a besoin d'un peu de sourire, ce peuple a besoin d'un peu de gaieté et nous sommes prêts à leur offrir cette gaieté. Mais nous leur demandons d'être avec nous dans la prière, de nous pousser par la prière. Eh ben, tout ce que les musulmans doivent faire, leur prière, et les Mvoulous, ils doivent prier, les Kimbanguistes, tout le monde. En tout cas, soyez de cœur avec nous. Nous sommes un peuple qui a droit aussi à un peu de bonheur, tant peu soit-il. Il est vraiment temps d'être en communion d'esprit. Nous avons besoin des ondes positives pour pouvoir aller très loin et offrir ce que le peuple congolais a toujours attendu, c'est-à-dire une troisième étoile. Et surtout, soyez derrière nous. Voilà, c'était là le team manager de l'équipe nationale A' de la RDC, José Ntumba. Et justement, parlant de l'adversaire de la RDC, pour le match d'aujourd'hui, le Mali avait croisé en amical le dimanche dernier l'Ouganda. L'Ouganda, ce sera le premier adversaire de la RDC dans cette édition du CHAN. Le samedi 14 janvier à 17h, heure de Kinshasa, le Mali et l'Ouganda s'étaient neutralisés sur le score de 0 but partout. Et concernant les deux autres adversaires de la RDC lors de la phase de poule de cette édition du CHAN, le Sénégal a battu hier en amical le Congo-Brazzaville sur le score d'un but à 0, et alors que la Côte d'Ivoire a été largement battue par la Mauritanie sur le score de 3-0. La RDC affrontera l'Ouganda le 14 janvier à 17h pour commencer. Ensuite, les Congolais affronteront les Ivoiriens le 18 janvier à 17h, heure de Kinshasa, avant de boucler la phase de poule contre le Sénégal. Ça sera le 22 janvier à 20h, heure de Kinshasa. Je rappelle que tous les matchs de la RDC, puisque la RDC était tête des séries, se joueront à Annaba, cette ville algérienne, alors que le dernier match de ce groupe entre la formation ivoirienne et ougandaise se jouera dans une autre ville, puisque les deux rencontres de la troisième journée se joueront au même moment. On quitte les Léopards, Seigneur A', pour parler de U17. La RDC ne va pas prendre part à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie en 2023. Pourquoi ? Parce que les Congolais ont désisté. On va parler de la FECOFA. La FECOFA a informé aux responsables de l'UNIFAC. L'UNIFAC, la zone d'Afrique centrale dont le tournoi qualificatif pour la CAN était prévu à partir du 12 janvier courant, que justement la RDC a désisté suite à ce problème administratif
4 joueurs seulement sur le 15 qui ont satisfait au test IREM ont pu avoir déjà leur visa pour le Cameroun. Chose compliquée hein, pour le reste de joueurs. La RDC est dans l'impossibilité d'arriver aujourd'hui au Cameroun avant de commencer la compétition le 12 janvier prochain. Et pourtant, ils ont commencé hein, de matchs amicaux. Un premier match amical a été d'ailleurs remporté hier par ces Léopards U17 de la RDC. Donc, malheureusement, la RDC ne va plus effectuer le déplacement du Cameroun pour prendre part au tournoi qualificatif de la zone UNIFAC. On voit la Com Ligue 1, le résultat du match entre la SV Club et la formation du FC Saint-Éloi-Loupopo a été donc suspendu par la commission de gestion de la Ligue nationale de football suite aux réserves émises par les deux parties. D'autres sanctions sont tombées, notamment à l'encontre du joueur Michael Wango. Ça, ce n'est pas concernant le match entre V Club et la formation de Loupopo, puisque Wango est un joueur de la Estofa Noire. Il est suspendu pour 4 matchs après avoir tabassé un supporter lors de la rencontre qui a opposé son équipe au FC Lubumbashi Sport. Et pour mauvais comportement de ses supporters qui se sont illustrés par le jet des projectiles, violation de la zone neutre et envahissement de l'aire de jeu lors du match qui a opposé V-Club à Loupopo, justement la formation de V-Club est sommée de payer une somme de 2 000 $ américains en dehors 8 jours. La formation de la Sierra Rangers, quant à elle, payera la somme de 1 000 $américains pour violation de la zone neutre et envahissement de l'aire de jeu par ses supporters après avoir battu la formation du tout-puissant Mazembe ici à Kinshasa. Et le tout-puissant Mazembe, justement, continue à se préparer à Lubumbashi. Mazembe va livrer un match amical aujourd'hui. Ça sera face à la formation de Blessing. Blessing que la formation de Mazembe avait déjà battu dernièrement sur le score de 4-0 l'entrée pour cette rencontre amicale de Mazembe contre Blessing est gratuite. Ce match va se jouer sous le coup de 15h juste heure de Lubumbashi et 14h juste heure de Kinshasa. On va parler boxe dans ce journal des sports et parler d'une athlète, Marcela Sakobi, qui a perdu son titre de championne d'Afrique des poids plumes en 2022. C'était à Maputo lors du dernier championnat d'Afrique. Marcela Sakobi, considérée comme la meilleure boxeuse congolaise, est revenue sur cette déception enregistrée lors du dernier championnat d'Afrique où, justement, elle n'a pu faire mieux qu'une médaille d'argent après sa défaite en finale face à une Botswanaise. Première femme congolaise à remporter un titre continental, Marcela Sakobi a évoqué l'une des principales raisons de sa non-évolution depuis 2017, année où elle a été sacrée championne d'Afrique à Brazzaville. On l'écoute. 2022 s'est bien passé pour moi. Le temps que j'ai passé, les compétitions que je fais pendant cette année, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est vraiment normal. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je fais des compétitions de haut niveau. J'ai compétitionné sur les championnats d'Afrique. J'étais au championnat du monde en Turquie. J'ai donné ce que je pouvais donner. Alors, 2022, vous avez été au championnat d'Afrique. Vous avez remporté la médaille d'argent. Vous avez donc perdu votre titre de championne d'Afrique remporté en 2017. Une grosse déception pour vous? Oui, c'est ça, c'est ça. Je voulais me remettre au rang de premier niveau. Malheureusement, ça n'a pas été. Et je bosse toujours dur. Ok, je tente encore la chance d'être au premier niveau là où j'étais. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous ne puissiez pas remporter cette médaille d'or? Bon, moi j'ai préparé pour avoir une médaille d'or. Malheureusement, ça n'a pas tenu. C'est la fille de Botswanaise. C'est elle qui m'a gagné au final. Tout donné, mais on n'avait pas vraiment l'écart. Est-ce que vous n'avez un petit peu pas baissé de niveau de travail? Bon, c'est normal, Jonathan. Vous voyez ici, en RDC, je peux dire dans ma catégorie, je reste seule. Beaucoup de mes amis ne sont plus ici. Moi, ça me fait très mal. Je peux rester longtemps sans bourser. Comme on revient de Maputo, depuis qu'on est revenu de Maputo, je pas de combat. Il y a des compétitions, des ententes qui s'est passées. Moi, je n'arrive pas à boxer parce que je n'ai pas d'adversaire. Je veux boxer avec qui? C'est celui qui me freine aussi. Et c'est, des fois, ça me fait très mal, hein, Jonathan. Je m'entraîne qu'avec les hommes, même dans le club, je m'entraîne, je fais les sparring avec les hommes. Je n'ai pas vraiment un adversaire de taille
Vous voyez, ça complique des choses. Si vraiment il y a des moyens, je devais aller m'entraîner même en dehors du pays pour avoir mes amis qui sont de même rang que moi, à qui on peut faire mieux que de rester au Congo pour attendre demain de bons résultats. Si je suis au Congo ici, je ne crois pas avoir de bons résultats, car je n'ai pas assez de compétition dans mon corps. Je n'ai pas assez vraiment des adversaires qui peuvent faire face à moi. Voilà, c'était la Marcela Sakobi qui est désormais vice-championne d'Afrique de poids plume dans la catégorie justement de poids plume dans la version féminine. Merci infiniment. Il est là comme le banana évolué.